En général, je suis tout le temps sûr de moi, je suis assez confiant de ce que je vends. Bonsoir, messieurs. La journée s'est bien passée. Alors, au menu ce soir, nous avons, pour commencer, un soufflé au comté ou une timbale de brouillade d'œuf au cèpe. Et pour suivre, un enchilada de pollo, qui est un poulet émincé avec une marine instantanée. Aïe, 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 c'est mou, y a pas d'envie. Comment veux-tu vendre le moindre truc avec un charisme pareil? Je vais tout miser sur la marge de progression. Crème brûlée brou. À tout à l'heure. T'es pas là, ça t'es comme ça dans ton truc, tu on le voit à moitié. Là, tu poses, hein, c'était, on dirait que tu t'excuses d'être là. Non, t'es là, t'es à l'aise, voilà, ce soir, le chef vous propose. Tu présentes ton menu. Après, si le client te pose des questions, il faut que tu sois capable d'y répondre. Donc c'est ça. D'accord. Donc d'abord, j'énonce, et après... Oui, voilà, ce soir, le chef vous propose. Voilà. D'accord, affirme-toi. C'est pas l'inverse. Ne t'excuse pas quand tu présentes. Je fais tout le truc à la fois. T'as pas à t'excuser. Bah t'as juste à présenter. En plus, t'as goûté les plats, donc tu sais de quoi tu parles. Ah bah écoute-moi, arrête de me couper là. D'accord, écoute ce que je te dis. Parce que t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Si, vous dites que je le pose. Et donc, je n'ai pas de conviction et que j'ai toujours peur, on dirait, de vendre ce que je. Ça, j'écoute. Je te sens pas sûr. Même quand tu m'expliques là, je te sens pas sûr. Donc, si. Si, non, si, je suis sûr. Mais si, je suis sûr, mais donc c'est vrai que. Oh. Voilà. Bombe le torse, relève le menton. D'accord, hein? Et souris, d'accord, hein? Sourire avant tout. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Ok, alors montre-le que c'est toi le patron.